Avocat de profession, Mourad Batik est omniprésent dans les médias depuis déjà plusieurs mois, étant donné qu'il travaille sur plusieurs affaires très médiatisées. Il a notamment été engagé par les victimes de l'accident provoqué par Pierre Palmade le vendredi 10 février 2023. Ce jour-là, un père de famille et son fils âgé de 6 ans roulaient sur la route départementale 372, reliant Melun à Damary-les-Lys, en compagnie d'une jeune femme de 27 ans. En début de soirée, leur véhicule fut violemment percuté de face par la Peugeot 3008 que conduisait Pierre Palmade, qui était sous l'emprise de la cocaïne, comme l'ont révélé ses analyses toxicologiques. Grièvement blessé, le conducteur de la voiture heurtée par l'humoriste, ainsi que ses deux passagers, ont été transportés d'urgence vers différents hôpitaux, tout comme Pierre Palmade. Si le pronostic vital du comédien était initialement engagé, ses proches avaient ensuite annoncé que ses jours n'étaient plus en danger au lendemain de l'accident. En revanche, le conducteur percuté par l'acteur a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, et reste encore hospitalisé à ce jour. De son côté, son fils âgé de 6 ans fut victime d'importantes séquelles physiques, notamment au niveau de la mâchoire et du visage. Enfin, la jeune femme de 27 ans, qui était enceinte de 6 mois, a perdu le bébé qu'elle portait suite au choc. Accident de Pierre Palmade, Mourad Batik évoque l'addiction du comédien interrogé par Le Figaro dans le cadre d'un portrait qui lui était consacré. Mourad Batik a formulé une blague très osée en référence à l'affaire Pierre Palmade. Décrit comme étant un boulimique de travail, l'avocat a tenu à préciser, quand on lui a demandé à quoi il carburait, que ce n'était pas la cocaïne. Outre l'affaire Pierre Palmade, Mourad Batik travaille également sur la disparition de Delphine Jubilard, étant donné qu'il est le représentant légal de l'oncle et de la tante de l'infirmière portée disparue depuis plus de 2 ans. Il défend par ailleurs certaines femmes accusant le gynécologue Émile Darahi de violences gynécologiques, mais aussi la famille de la jeune Siem, retrouvée morte il y a quelques semaines dans le Gard.